Bonjour à toi, cher spectateur. Blinded by the Light, ou en version française, Music of My Life de Gurinder Chadha, est un film qui m'intriguait énormément parce que, tout simplement, j'adore les films musicaux. Et surtout, je trouvais que, en termes de thématique, et en termes d'époque, et en termes de musique, ça me faisait énormément penser à Sing Street. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Sing Street, l'année où c'est sorti, c'était quand même un de mes films préférés de l'année. Donc je pense qu'il n'en fallait pas plus pour que j'aie très envie de voir Music of My Life. Le résumé pour faire simple, en Angleterre, à Luton, au cœur des années 80, Javed est un jeune immigrant pakistanais qui vit une époque compliquée sous l'ère Thatcher. Mais lorsqu'il va découvrir Bruce Springsteen, il va rapidement trouver un guide spirituel qui le poussera à se dépasser. Music of My Life est un très beau film. Voire même, je pense pouvoir dire que c'est un film qui est vraiment excellent parce que par de nombreux aspects, je me suis senti complètement transporté par cette œuvre. Je la trouve magique, je la trouve belle, je la trouve sensationnelle, je la trouve enivrante et élégante. Je me suis laissé complètement emporter par son métrage. Je ne saurais pas vous dire comment ça se fait, mais il m'a fait voyager ce film. Déjà parce que, accessoirement, peut-être que mon père est un peu trop fan de Bruce Springsteen, ou peut-être que ma sœur aussi est un peu trop fan de Bruce Springsteen, mais rien que le fait que Bruce Springsteen soit au centre de ce film, ça m'a captivé et je me suis laissé transporter. Et en plus, je ne sais pas si vous, vous écoutez du Bruce Springsteen, mais si vous n'écoutez pas de Bruce Springsteen, foncez. C'est un mec qui a compris énormément de choses et qui arrive au travers de ses paroles à nous donner une joie de vivre totalement enivrante. Et alors, le film est à cette image-là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai eu la sensation que Gurinder Chadha, elle ne comprenait pas Springsteen. J'ai eu l'impression que Springsteen avait pris possession d'elle et qu'il essayait de nous traduire toute sa philosophie de vie au travers d'une seule œuvre. C'est extraordinaire. Il est souvent complexe de vouloir évoquer l'amour que l'on porte à un auteur, un créateur, un artiste, bref en général, parce que la plupart du temps, on a l'impression que l'on n'arrivera pas forcément à cerner ce qui est essentiel pour le spectateur, soit comprendre les personnages avant de comprendre l'artiste. Gurinder Chadha décide de nous plonger dans l'histoire vraie de Sarfraz Manzoor, un fan inconditionnel de Bruce Springsteen qui s'est laissé bercer par l'artiste américain avant d'en faire un mantra de vie. Et ce n'est que la surface de ce que cette œuvre transmet en termes d'humain, de manière de regarder la vie, de comprendre notre prochain, de cerner à quel point il est essentiel d'aller dans la bonne direction. Et c'est peut-être cela la plus grande beauté d'une œuvre entraînante, fascinante, frissonnante et jouissive. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Gurinder Chadha, ainsi que Paul Meyer Burgess, ainsi que Sarfraz Manzoor, dont c'est adapté de l'autobiographie. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'au sein de cette écriture, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et le contexte politique et historique de l'époque, 87, Thatcher, la crise économique, les néo-nazis qui commencent à remonter, qui voulaient que les paquis se barrent. Il y a ça, il y a le contexte musical, le fait que dans cette période-là, tout le monde soit fan du synthé, et on se retrouve devant un personnage qui devient un fan de Bruce Springsteen, Bruce Springsteen qui était en grosse perte de vitesse à l'époque, et qu'on considère un petit peu comme has-been, et qui allait reconnaître un revival complet dans les années 90. On a l'attachement à un Pakistanais qui, en soi, peut sonner comme très anecdotique, mais comme je l'évoquais par le biais de l'époque, ça fait que du coup, on se retrouve encore plus touché par son parcours, parce que du coup, on se dit que c'est vraiment la merde cette période-là, que c'est la pire époque peut-être pour un Pakistanais pour débarquer en Angleterre, qu'en plus, ils sont dans une ville où c'est compliqué. Ça doit être le quatrième ou cinquième film où je vois la ville de Luton qui est au centre, et encore une fois, c'est parce qu'il y a un problème économique, ou un problème historique, ou un problème sociétal, ou un problème de culture. Je sais pas ce qu'ont les Anglais avec la ville de Luton. En fait, vous le voyez par le débit que j'ai en termes de voix, il y a tellement de choses au sein de cette écriture. On sent qu'à aucun moment cette écriture n'est limitée ou par le temps, ou par les thématiques, ou par les personnages. Elle cherche constamment à avancer, à proposer quelque chose, à dire au spectateur « Regarde, tu te laisses emporter par cette histoire. Mets ça en parallèle avec la musique de Bruce Springsteen. Mets ça en parallèle par rapport à la culture. Mets ça en parallèle par rapport à l'époque dans laquelle ça se passe. » C'est là que je trouve en fait le film marche le mieux. C'est que ça n'est jamais une écriture qui est limitée. C'est une écriture qui va sonner comme parfaitement en adéquation avec le spectateur et surtout avec la manière qu'a de penser le spectateur. C'est-à-dire, aucun spectateur ne pense pareil que son prochain. Donc qu'est-ce qu'il faut? Une œuvre auquel chaque spectateur va être capable de se rattacher par le biais d'une thématique. Chadha, Mayeda Burgess et Manzoor arrivent à traiter avec une élégance folle leurs personnages, mais surtout arrivent à évoquer avec une douceur et une candeur délicieuses les problèmes de l'Angleterre de cette époque. Et peut-être de l'Angleterre d'aujourd'hui, tant de nombreuses choses résonnent avec notre actualité. Les trois scénaristes explorent tout ce qui est possible et imaginable comme thématique, mais surtout
respecte avec une folie et une douceur contagieuse l'œuvre de Springsteen, faisant de lui un personnage essentiel d'un métrage juste impressionnant en termes de niveau de lecture, de degré de relation entre le spectateur et l'œuvre qui s'en met en place devant lui. Et c'est peut-être pour cela que l'on aime tant que ça ce qui se dégage de cette écriture et de ses personnages. En termes de mise en scène, alors, j'ai vu beaucoup de monde parler de Music of My Life, mais peut mettre ça en parallèle avec la filmographie de Gurinder Chadha, parce que c'est la cinéaste qui dernièrement avait fait Le Dernier Vice-Roi des Indes, qui n'est pas non plus un film exceptionnel mais qui était plutôt pas mal, mais c'est surtout la réalisatrice de Jura comme Beckham. Et alors là, on peut faire presque un lien entre les deux. Un lien un peu sournois, mais un lien tout de même. Ce qui est important, et je pense qu'il se ressent au travers de l'écriture de Gurinder Chadha, c'est qu'elle a envie de parler de sa culture dans son autre culture. C'est-à-dire qu'elle se considère avant tout comme anglaise, mais elle a des origines indiennes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de ses films, à chaque fois, elle cherche à mettre en relief ça, à mettre l'importance du partage de culture au sein de l'univers cinématographique de son œuvre. Et ici, ça marche vraiment bien parce que du coup, il y a un choc des cultures complet entre la culture britannique, la culture pakistanaise et la culture de Springsteen, donc américaine. On se retrouve avec un triple choc des cultures qui fonctionne très bien et on le sent, et ça serait pas étonnant qu'elle ait été vraiment touchée par ça, mais le choix de la thématique autour du père, dont j'ai pas forcément parlé dans l'écriture parce que j'avais envie de la placer ici, c'est quelque chose qui est essentiel dans la mise en scène de Gurinder Chadha. On sent que c'est une femme qui a eu envie de traduire à quel point ça peut être difficile par le biais de la culture, par le biais du pays, par le biais des attaches ethniques et culturelles, de comprendre parfois à quel point un père peut avoir une image différente en fonction de chacun. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'image du père, elle est vraiment montrée comme celle d'un patriarche sur qui tout le poids d'une famille repose. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il y a un travail autour du père qui est de l'ordre du jeu entre antagoniste et protagoniste. Est-ce que c'est un méchant ou est-ce que c'est un gentil? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut jouer le guide ou c'est quelqu'un qui veut abuser de sa place au sein de cette famille? Et du coup, Gurinder Chadha, elle joue très très bien avec ça et elle arrive à transmettre énormément d'émotions et il y a de nombreuses scènes où j'étais déchiré parce que je trouvais que les rapports entre ce fils et ce père étaient fantastiquement bien gérés par la cinéaste. Chadha use de tout ce que j'aime dans ce style de cinéma. Elle se sert à merveille d'effets rappelant les années 80, elle sait exactement comment jouer avec une esthétique folle et surtout, sait exactement comment jouer avec l'émotion du spectateur pour emmener de nombreuses scènes et créer des petits instants cultes. On sent que bien au-delà de simplement vouloir nous offrir un feel-good movie, l'auteur anglaise a souhaité le plus possible coller à la philosophie de Springsteen, comme ce personnage, et cherche constamment à créer un lien fort entre son métrage et cet homme, comme si le but de la mise en scène était avant tout de créer de l'émotion à partir de la musique. En termes de casting, alors déjà je tiens à citer les deux acteurs qui jouent les parents de Javed, que ce soit Kulvindir Gir ou Meera Ganatra, qui sont tous les deux excellents. Je les ai trouvés fantastiques du début à la fin. Je tiens également à citer Aaron Fagra ainsi que Dean Charles Chapman qui sont vraiment tous les deux très bons, dans deux rôles qui fonctionnent très bien. Et je tiens surtout à citer Neil Williams et Nikita Mehta, qui jouent respectivement la copine et la sœur de Javed. Toutes les deux, fantastiques. Du début à la fin, je les ai trouvées étincelantes. Je les trouve merveilleuses, ces deux jeunes actrices. Mais rien ne vaut cet acteur principal qui m'a littéralement transporté, dont je suis tombé éperdument amoureux, parce que je trouve que du début à la fin, il possède littéralement le métrage. Il a une gueule. Il va devenir le nouveau beau gosse du cinéma anglais, c'est pas possible, mais il est extraordinaire en plus de ça. Vivek Kalra est juste excellent dans le rôle titre. J'aime cet acteur, je le trouve talentueux et dynamique, et j'aime son œil vif et la beauté de son jeu durant de nombreuses scènes. C'est un énorme coup de cœur que j'ai pour ce jeune homme. Au bout du compte, Music of My Life ou Blinded by the Light est un film vraiment passionnant. C'est un gros coup de cœur pour moi, j'adore ce film, je le trouve super. Il est dynamique, il est joyeux, il est enivrant, il est bien monté, il est bien réalisé, il est fantastiquement bien conçu en termes d'écriture et il a des interprètes qui se donnent à fond pour chacun des personnages. Il y a des moments où pendant 3 minutes non-stop, j'avais des frissons tellement je trouvais les séquences bien enchaînées. Enfin, je suis désolé, mais Born to Run, lorsqu'il y a cette séquence-là, j'étais conquis. Et je me suis dit que Blinded by the Light ou Music of My Life en version française de Gurinder Chadha était un film à voir absolument en salle. Je vous le conseille, c'est extraordinaire. C'est un moment qui va vous donner une joie de vivre et un peps qui vous quittera pas de la journée. Foncez. À plus.